Bonjour, nous sommes ici avec Manuel Gautran, l'artiste qui a créé ce lieu incroyable qui est le C42. Alors Manuel, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours, qui vous êtes en deux, trois mots pour les téléspectateurs de La Mauve Ventilée? Oui, donc je suis architecte depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai une agence aujourd'hui qui fait entre 25 et 30 personnes, entre 25 et 30 architectes. Et puis on travaille sur beaucoup de projets différents, tantôt des concours, tantôt des commandes directes, beaucoup de concours. On fait des bâtiments publics, privés, des... j'ai commencé en faisant beaucoup de projets culturels, donc des cinémas, un théâtre, deux théâtres même. Les projets culturels m'ont donné envie de faire une architecture toujours très, très forte et très expressive. Je travaille aussi sur des bâtiments de bureaux. En ce moment, j'ai quelques sujets de tours qui sont pour le moment des concours près de Paris. Et puis des logements également. Voilà, donc je reste toujours ouverte à des programmations très diverses. Comment s'est passée la rencontre avec Citroën ? Alors Citroën avait justement lancé un concours auquel j'avais été invitée. C'était un concours en plusieurs, on va dire en plusieurs tranches. Et finalement, donc je l'ai gagné à l'unanimité du jury, je crois. Et puis à partir de là, il y a eu quasiment 5 ans, 2 ans d'études, 3 ans de travaux. Pour un projet qui était complexe mais passionnant et auquel vraiment Citroën a complètement adhéré dès le début. Et ça, c'était très important pour moi. Bonjour Monsieur Michel, bonjour. Nous sommes ici au C42. Donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les différentes étapes qui ont connu cet endroit ? C'est un lieu dans lequel Citroën se trouve et possède depuis 1927. Et qui a suivi les belles heures et les temps un peu plus difficiles de la marque Citroën et qu'on vient de se réapproprier en se réappropriant notre passé, en le réinventant. Vous êtes là dans un bâtiment entièrement nouveau, entièrement reconstruit. Première fois depuis plus de 30 ans qu'on construit un bâtiment neuf sur les Champs-Élysées et qui s'enracine sur le passé de Citroën pour projeter la marque dans le 21e siècle dans lequel on est. Et pour dire, Citroën, c'est une marque du 21e siècle. Est-ce que construire sur les Champs-Élysées, c'est le rêve de tout architecte ? Oui. Oui, parce qu'on sait tous que c'est une des plus belles avenues du monde. Il y a, je crois, 80 millions de touristes par an. Et c'est un geste marquant. On sait que le bâtiment sera vu tout le temps, de jour, de nuit. Et d'ailleurs, je voulais que le projet soit à la fois très lumineux de jour et à la fois que de nuit, il irradie sur les Champs-Élysées. C'est un peu comme une lanterne chinoise. Il est tout brillant. Il est vraiment plein de lumière, très, très transparent. Et même à 4 heures du matin, on pourra voir ce qui se passe à l'intérieur parce que la façade, c'est une vitrine géante. Le premier objectif, ça a été de travailler sur une sculpture de voitures, donc de montrer beaucoup de véhicules. Au lieu de s'arrêter à n'en montrer que deux à rez-de-chaussée, j'ai installé au milieu du bâtiment ce sur quoi on est. C'est la grande sculpture verticale de voitures qui est constituée de 8 plateformes superposées. Sur chaque plateforme, il y a une voiture. On appelle ça dans le langage automobile des tournettes. Parce qu'elle tourne comme on... On est juste dessus là. On est juste dessus, on est sur la dernière qui est juste sous le toit. Voilà, donc l'idée c'était de planter ce totem de voitures au milieu du bâtiment, d'installer beaucoup de voitures, de laisser finalement peu de place au public qui va s'enrouler autour par une succession de paliers et d'escaliers, parfois dans des espaces assez minces, assez menus, parce que la plus belle place dans ce bâtiment, on l'a consacrée à la voiture. Et puis le deuxième objectif, c'était d'envelopper tout ça dans une résille de verre et de métal qui soit très fluide et qui ne fasse qu'exprimer le logo de la marque, le chevron, le double chevron qui est d'un graphisme magnifique. Eh bien, un tout grand merci. Et encore plein de bonnes choses pour vos projets futurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.